Il y a un peu plus d'un an, le premier confinement entré en vigueur partout en France. C'était le début d'une crise sanitaire, mais aussi celui d'une crise économique. Baisse du chiffre d'affaires, manque de trésorerie, interruption de la production. On en a beaucoup parlé depuis un an. Où en est-on un an après? Pour en parler, nous sommes ce matin avec la présidente de la CPME Guyane, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Joëlle Prévost-Madère, bonjour. Bonjour, monsieur Samit, et bonjour à tous. Question générale pour commencer, madame Prévost-Madère, et pour que tout le monde réalise ce que représentent vraiment les petites et moyennes entreprises en Guyane, il y en a combien? Ça représente combien de personnes? Alors, un chiffre d'affaires, un chiffre précis, je ne pourrais pas vous le donner, mais il faut bien comprendre que 80% des entreprises de ce territoire sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc, ça vous donne un peu l'image, ce sont plus des TPE que des PME. Mmh. Nous avons de belles PME également, mais vous voyez bien que... elle ne représente plus que 20%. C'est un chiffre qui est en évolution depuis ces dernières années ou ça reste quand même assez stable? Non, ça reste assez stable. D'une façon générale, on connaît la composition de la Guyane, la composition tant sur le plan de la population, oui, avec quand même une variable dont il faut tenir compte. C'est une population qui augmente certes, mais une population avec un très faible pouvoir d'achat, puisque le taux de pauvreté ne cesse de croître et nous sommes en train d'atteindre les 50% de la population. Je l'ai dit en introduction, ça fait un an quasiment jour pour jour que le premier confinement est entré en vigueur en Guyane et sur tout le territoire national. Comment se portent nos PME un an après? Comment est-ce que ça va? Écoutez, elles s'accrochent. Oui. C'est vraiment l'expression. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas dans le même contexte qu'au national. C'est vrai que, rappelons-le quand même, que nous avons été confinés beaucoup plus longtemps. Donc la reprise s'est faite plus tardivement. Beaucoup plus lentement. Oui. Hein, parce que vous savez, quelqu'un qui a pris l'habitude de moins dépenser, d'une façon générale, sauf si peut-être les restaurants rouvrent, les cinémas, etc. Mais d'une façon générale, elle garde un peu cette habitude. Donc, l'économie qui a été faite de force par rapport au contexte, elle n'est pas encore justement dépensée. Et d'ailleurs, l'État est en train de chercher une proposition à faire pour pouvoir utiliser cette épargne qui a été faite par la population qui n'a pas consommé autant. Donc, oui, il y a une reprise. Mais nous ne sommes pas revenus au niveau de consommation d'auparavant. Pour tout le monde, il y a une épée de Damoclès. Hein. Vous avez bien vu ce qui se passe au niveau national, de l'Hexagone. Localement, nous sommes tous plus ou moins à l'écoute à chaque fois au niveau des médias pour savoir si... vont être annoncées. Mesures, parce qu'il y a des cas qui flambent. Ouais. Donc, on pense pas souvent au moral du chef d'entreprise. Et il n'est pas tout à fait rose pour tout le monde. Oui, on a beaucoup entendu parler, puisque vous en parlez, de détresse morale des petits patrons. Il y a quand même du mieux depuis ces derniers mois, ces dernières semaines. On l'a dit, la situation en Guyane est quand même un petit peu plus privilégiée que sur le reste du territoire national. Mais est-ce que vous sentez quand même que ça va un peu mieux? Alors écoutez, un chef d'entreprise, surtout en Guyane, lorsqu'il décide d'entreprendre, il sait d'ores et déjà que ça va être compliqué. Hein, c'est un territoire où rien n'est simple, donc ça va être dur. Oui. Et donc, lorsqu'il y va, il sait que ce sera difficile. Mais il y va. Le chef d'entreprise, c'est un combattant. Cela étant, même en étant combattant, lorsque vous avez des problèmes de trésorerie, et ce qui se conçoit, puisque, pas de consommation pendant un certain temps, à un moment, vous avez beau vouloir combattre, et puis n'oublions pas... Oui, si on veut aller à la guerre, mais qu'on n'a pas de soldats, voilà, ça devient compliqué. Et n'oublions pas que le dispositif d'aide qui était mis en place, et qui a vraiment permis aux entreprises de tenir quand même, il se réduit au fur et à mesure, puisqu'il n'est plus réservé qu'à certaines entreprises dont la perte de chiffre d'affaires est vraiment conséquente, au-delà de 50%, et également à certains secteurs d'activité. Une liste S1, une liste S1 bis, etc. Donc voilà. Joëlle Prévost-Madère, selon les derniers chiffres de l'INSEE, l'économie guyanaise s'en est plutôt bien sortie de cette crise sanitaire. Vous qui êtes au plus près, on va dire, de la réalité économique du territoire, vous en pensez quoi? Est-ce que vous constatez que majoritairement on s'en est plutôt bien sorti ou quand même il y a de nombreuses entreprises qui ne s'en sont pas relevées? Alors, je ne vais pas dire qu'on ne s'en soit pas... On ne se soit pas sorti. Il y a un pourcentage d'entreprises qui s'en sortent. N'oublions pas que le secteur du BTP a continué à fonctionner en Guyane. Mmh. Okay?
et que bon, ben, le PIB de la Guyane est quand même, relève quand même de la commande publique et de la commande publique par rapport à tout ce qui est infrastructure, etc. Et tout. Donc oui, vous avez des entreprises correspondant à ces secteurs qui ont continué à fonctionner, avec quand même un petit bémol, parce que n'oublions pas que les contraintes sanitaires imposées aux entreprises, mmh, hein, en matière donc, de masques, etc., donc des toilettes et tout, ont un coût. Et donc, il y a quand même une baisse au niveau donc, de la marge de ces entreprises. Par contre, il y a tous les autres secteurs, le commerce, hein, un certain nombre d'entreprises qui sont dans le service. Le tourisme. Qui, elles, alors quant au tourisme, n'en parlons pas, mais qui, elles, ne s'en sortent pas du tout. Et n'oubliez pas non plus que l'hôtellerie a seulement, depuis quelques mois, eu la possibilité de rouvrir leurs portes. Mais bon, donc vous avez quand même, en dehors du BTP et ce qui découle du BTP, vous avez les autres secteurs qui souffrent encore. Oui, les chiffres finalement liés à la commande publique masquent un petit peu tous les autres qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Alors, masque, c'est pas masque, parce que c'est aussi une réalité. Oui, oui. La Guyane, l'activité économique est vraiment portée par le BTP. Et cela se conçoit, vu les besoins en matière d'infrastructures qui ne cessent jamais. Voilà. Joël Prévost-Médère, en début de semaine, il y a un accord de relance régionale de 250 millions d'euros qui a été signé pour, je cite, hein, accélérer le développement de la Guyane. Qu'en pense la présidente de la CPME Guyane de ce plan de relance? Écoutez, 250 millions d'euros, c'est bien, mais la Guyane a besoin de beaucoup plus. Mm-hmm. Le problème, c'est que 250 millions d'euros à dépenser il faut que ce soit dépensé d'ici fin 2023. Mm-hmm. C'est très court, c'est beaucoup d'argent pour une période très courte. Et donc, voilà, l'inquiétude des entreprises, des secteurs concernés, alors on est toujours dans beaucoup d'infrastructures, de beaux projets de jeunes porteurs donc, qui ont été retenus. Vous savez qu'il y a une dizaine de projets qui ont été retenus. C'est bien, mais maintenant, est-ce qu'ils auront tout le monde aura la possibilité d'utiliser ces fonds qui sont mis à disposition. C'est la question. Mais oui, sur ces 250 millions d'euros, combien finalement, quelle part est réservée pour les entreprises qui existent déjà et pas pour en développer de nouvelles? Alors en fait, c'est pour l'ensemble. On va dire, c'est vrai que dans ces 250 millions d'euros, vous avez une partie, un volet économique, oui, vous avez un volet social, vous avez un volet donc écologie. Et bon, vous y avez différents volets. Il y a par exemple... Mais pour que les entreprises se mettent un petit peu plus à la transition écologique, c'est bien ça. Oui, ouais. Ben, y a une réforme qui est en cours et donc il faudrait justement donc, qu'elles s'y mettent. Mais encore une fois, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'aides à disposition donc, des demandeurs d'emploi. Mm-hmm. Puisqu'il y a des primes à l'embauche, les contrats d'apprentissage avec quand même des sommes pouvant varier de 5 000 à 8 000 euros. Donc c'est bon autant pour l'entreprise qui va pouvoir effectivement donc, prendre ces jeunes en contrat d'apprentissage. Oui. Et c'est bon pour ces jeunes parce que ça a été très compliqué pour eux. Des emplois aidés, etc. Donc oui, il y a des sommes. Il y a de beaux montants. Encore une fois, moi je dis largement insuffisant, mais suffisant par rapport à la courte période à laquelle ils sont destinés. Je dis largement insuffisant, pourquoi? Parce que quand même, le constat de la Guyane, c'est que vous avez une pression migratoire et donc une augmentation sur des laps de temps très courts et donc une augmentation de la population qui est extrêmement forte parce qu'elle se fait sur un laps de temps très court. Mmh. Les conséquences sont que les besoins sont immédiats et permanents. Mmh. Besoins en établissements scolaires, besoins en structures, infrastructures de santé, besoins en logement, jamais satisfaits parce que la population augmente. Et je rappelle, une population dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Donc, les besoins financiers pour ce territoire ne seront jamais suffisants. Mmh. Tant qu'à un moment, on ne dira pas « bon, stop, on régule les entrées et tout », voilà, il y aura toujours un problème, il y aura toujours des besoins de finances et surtout, il faudra surtout régler le fait qu'il faille
utiliser, qu'on ait les moyens, la possibilité d'utiliser ces sommes qui sont mises à disposition. Est-ce que la CPME, est-ce que, et j'ai envie de dire même tout le tissu économique guyanais, le monde économique guyanais a suffisamment été consulté avant la création de ce plan? On a entendu en début de semaine quelques maires qui disaient que finalement c'était quelque chose d'assez vertical et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de concertation. Est-ce que vous, vous avez véritablement pris part au débat? Non, je partage. Alors, il y a eu une première réunion qui a été mise en place par l'ancien préfet. Oui. Pour parler de ce plan de relance. Marc Delgrande. Voilà. Et des interventions donc, ont été faites à ce moment-là pour dire oui, mais attention, ce n'est pas que le BTP, il faut penser aussi à d'autres secteurs d'activité, etc. Et il devait ensuite se mettre en place des séances de travail avec l'ensemble des acteurs concernés. Cela n'a pas été fait, je suis désolée. Dernièrement, il y a eu une signature à la collectivité territoriale. Déjà, lorsque nous avons été invités, nous avons cherché à savoir c'était pour quelle raison. Et on a dit, mais ce n'est pas pour la signature du plan, parce qu'on n'y a pas participé. Vous nous demandez donc d'être présent pour un plan auquel, finalement, contrairement à ce qui a été annoncé, nous n'avons pas participé. Donc, on nous a dit, non, ce n'était pas pour cela, c'était pour la présentation donc, des 10 projets, des porteurs de projets. Et qu'est-ce qu'il manque, selon vous, dans ce plan, finalement? Alors, ben, certains vous diront de la concertation, ouais, pour que ce soit vraiment, qu'il y ait une réelle adhésion. Ensuite, concernant, comme je vous l'ai dit, beaucoup de ces sommes sont plutôt à destination d'infrastructures. Je pense aux transporteurs qui, eux, insisteront à juste titre. Attention, pensez à allotir pour que nous puissions avoir la possibilité donc, de profiter aussi donc, pour notre activité donc, d'une partie de ces sommes. Et moi, ce que je crains, c'est que puisque ces sommes doivent être dépensées sur un laps de temps très court, qu'il n'y ait pas cet allotissement qui soit mis en place. Et que, qu'il n'y ait pas les relais nécessaires en fait en Guyane pour pouvoir utiliser ces fonds. Alors les relais nécessaires, écoutez, lorsque vous devez, vous savez que 250 millions ce n'est quand même pas rien, qui doivent être dépensés sur, nous sommes déjà en 2021, donc fin 2023, c'est très court. Notre première crainte pour toutes les entreprises locales, c'est de se dire, celles qui seront en tout cas, c'est surtout comme je dis le BTP, c'est de se dire... Donc, finalement, ce sont des grands groupes de l'extérieur qui vont bénéficier. Oui. Ça, c'est la première crainte logique. Ça veut dire, finalement, Joël Prémomédère, et je vous coupe, que y a pas que le chiffre, il n'y a pas que l'argent qui compte, il faut qu'il y ait aussi des personnes qui soient capables de l'utiliser. Alors, il n'y a pas seulement capable de l'utiliser, capable de pouvoir s'organiser, se structurer pour pouvoir répondre à ces demandes. Je vous rappelle que pendant un certain nombre d'années, ces 2 ou 3 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de grands travaux. Donc, en attendant, les entreprises, elles se séparent des compétences qu'elles ont. Et ensuite, on dit, attention, il faut y aller. Il faut déjà pouvoir retrouver les compétences. Au niveau national, votre organisation, la CPME, constate qu'il y a de plus en plus de PME qui tardent à payer leurs fournisseurs. Est-ce que vous le constatez aussi en Guyane? Écoutez, les fameux délais de paiement des entreprises, parce qu'il y a des délais de paiement aussi des donneurs d'ordre. Alors, les fameux délais de paiement des entreprises, c'est logique. Il est logique qu'une entreprise se dise, et même un comptable va le suggérer, ne payez pas, si vous aviez l'habitude de payer au bout de 24 heures, attendez 72 heures, etc. Parce que vous ne savez pas comment la reprise, à quel niveau la reprise va se faire. Et je parle bien des secteurs pour lesquels il n'y a pas une vraie reprise, une reprise totale. Donc, gérez vos fonds. Donc oui, les délais se sont rallongés. Et ça pourrait poser problème à terme. Ça peut poser un problème parce que le sous-traitant qui n'est pas payé, alors vous avez le sous-traitant de rang 1, lequel lui-même a un sous-traitant qui est le sous-traitant de rang 2, et effectivement c'est toute la chaîne qui est impactée. Pendant la crise, les entreprises ont bénéficié notamment des PGE, des prêts garantis par l'État, sauf qu'il faudra un jour rembourser ces prêts. Il y a des entrepreneurs qui demandent l'étalement de ces prêts sur 10 ans parce que les entreprises, en tout cas beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces entreprises n'ont pas encore reconstitué leurs réserves financières pour les rembourser. Votre avis sur ce point? Je vous rappelle que donc, je siège au comité exécutif de la CPME nationale, au niveau national. Et donc, nous leur avons
nous leur avions porté cette problématique de financement dès le départ, en disant d'abord qu'il fallait qu'il puisse être mis en place des fonds, des prêts participatifs. Parce que le PGE, c'est bien, mais c'est un prêt qui va impacter le résultat de votre entreprise. Le prêt participatif, c'est dans le haut de bilan, donc au contraire, ça conforte vos fonds propres. Et nous avons été entendus, la CPME est vraiment montée au créneau, nous avons été entendus puisqu'il a été mis en place les prêts participatifs. Sauf qu'il n'est à destination que des entreprises qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez bien compris que, vu le tissu économique du territoire, ce ne sera pas vraiment pour de nombreuses entreprises locales, guyanaises. Donc, nous battions pour que, en fait, c'était un panel de possibilités. Nous disons, il y a le PGE, certes, rembourser sur 5 ans avec un an de différé, certes, peut-on obtenir une amélioration des dispositions? Et la CPME a obtenu qu'il y ait une autre année de différé. C'est-à-dire qu'au lieu que vous puissiez rembourser votre prêt au bout d'un an, vous allez pouvoir le rembourser au bout de 2 ans. Il suffit de faire la demande à votre banque. Et à partir du moment où vous en faites la demande, la banque ne peut pas vous refuser cette année supplémentaire de différé. Mmh. Par contre, et c'est l'inconvénient, après l'année de différé, on devait rembourser le prêt sur 5 ans. Là, si vous avez une deuxième année de différé, vous n'allez rembourser le prêt que sur 4 ans. Donc ce que nous demandons au gouvernement et donc à la Banque de France, c'est de pouvoir obtenir une prolongation du nombre d'années, de ce qu'on appelle d'amortissement, pour que l'entreprise se retrouve avec en fait ce qu'on appelle un prêt consolidé, soit... Et qu'il n'y ait pas des énormes sommes à débloquer, voilà, en si peu de temps. Soit il n'avait que le PGE, et donc au lieu de 4 ans, ce serait peut-être 6 ans d'amortissement, ou bien il a plusieurs prêts et on regroupe l'ensemble des prêts. Mais sur ce point, il y a même Bernard Cohen-Haddad de la CPME Paris-Île-de-France, oui, voilà, qui a déclaré il y a quelques jours qu'il faudra penser à l'effacement de la dette pour beaucoup de nos TPE et PME. Mais ça, c'est une évidence. Ouais. La CPME, donc c'est Bernard qui nous représente effectivement dans toutes les réunions avec la Banque de France et Bruno Le Maire. Et effectivement, il ne faut pas rêver, il y a des entreprises qui ne pourront pas. Donc, lorsqu'on parle d'effacement, il faut aussi, hélas, penser aux banques. Mmh. Donc, comment vont-elles? Parce qu'elles aussi, elles ont des obligations en matière, donc... De remboursement. Les règles de Bâle III, qui sont des règles européennes. Mmh. Donc, elles doivent les respecter et donc il faudrait aussi penser à elles. En tout cas, le retour en Guyane, ce sera ma dernière question, Joël Prévost-Madère. Le retour à une situation économique normale, ça prendra beaucoup de temps? Mais ça prendra d'autant plus de temps que nous aurons de stop and go. Vous avez bien vu qu'au national, il n'y avait pas d'arrêt total. Et de nouveau, il vient d'être annoncé dans certaines... Heureusement, ils le font de façon territorialisée. Et donc, il vient d'annoncer un reconfinement. Alors, pas un reconfinement aussi strict que celui qu'on a vécu les premiers mois. Mais il y a quand même des entreprises qui avaient réouvert et qui doivent de nouveau fermer. En espérant donc que la Guyane ne se refasse pas reconfinée dans les semaines et dans les Absolument. Mois à venir. Merci beaucoup, Joël Prévost-Madère, on le rappelle. Hein. Présidente de la CPME Guyane, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Radio Pays.